Salut à vous les amis, on est sur une vidéo Gmod. Le thème de la vidéo est simple, on va s'incruster dans le roleplay des gens, on va voir comment ça se passe, rien n'est préparé évidemment. Je vais rejoindre des mecs, rentrer dans leur roleplay, jouer avec eux, voir ce qui va se passer. Pensez à vous abonner, à liker si vous voulez voir d'autres vidéos que je sors. Rejoignez-moi sur mes Discord pour suivre toutes les actualités et être identifié quand une vidéo est là. Les gars, c'est parti, on commence, on a quelques joueurs sur le serveur, comme des mecs qui font de la mette là-bas, on va aller les voir, ça va être marrant je pense. D'ailleurs si ça vous intéresse, hier j'ai sorti une vidéo où je réagis au nouveau trailer de GTA 6. Pensez à la voir si vous voulez avoir mon avis sur le jeu, mes appréhensions et ce que j'en pense. Donc là, ici, on a un groupe de 3 personnes qui, pour le moment, sont en job mate, mais mettent juste des printers. Attends, comment il est habillé, le mec en bas? Attends, je vais essayer de m'habiller un peu comme lui. Donc, outfit blanc. Ouais, je pense qu'on est à peu près pareil, mais peut-être pas parfait, mais on est à peu près pareil. Donc là, leur pote, il est en bas. Eux, ils sont en haut, l'autre il monte, voilà. Donc là je suis avec eux, là je monte en haut, j'ai l'impression qu'ils sont en RP Discord, hein. Alors je viens avec eux, hop, le même là, je vais prendre un peu dans les printers aussi avec eux, tac, dès qu'il m'a regardé, il dit rien de plus, hein. Je fais genre, je commençais un peu à build, tu vois, hop, il est parti, le mec il m'a laissé, hein. Vous avez vu ça? Est-ce qu'il va retourner voir son pote en bas, il se dit, attends, ah non, regardez, hein. Mais ils sont 100% RP Discord, ce qui est interdit, ça c'est interdit le RP Discord, attendez, je vais me téléporter ici, histoire de revenir, parce qu'en fait je peux pas ouvrir leur capote, tu vois. Tac, ils sont vachement bien leurs trucs, hein. Tac, ok. Peut-être que le mec a 2 de QI. Le mec a quand même mon nom au-dessus de ma tête, les gars. Le mec voit que je n'ai rien à faire dans cette maison. Je suis là avec eux, quoi. Tu sais que ça se trouve, il va parler à son pote, là, sur Discord. Il dit, mais arrête de placer des props, frérot. Attends, regarde, je vais mettre une horloge ici. Ah, ça, c'est bien, une horloge, ouais. Je mets quoi? Je mets une clé à molette. Super sympa. Je vais mettre une pastèque, là. Pastèque, je vais la mettre ici, hein. Hop. Et ça se trouve, il est en train de parler avec son pote. Il dit, ah, mais ouais, pourquoi t'as mis une pastèque ici? T'es qu'à être mort return, mon pote. Mais tu sais que, au bout d'un moment, faut remarquer qu'il y a mon nom dessus de ma tête, les gars. Hop, un panneau Ravenholms. Hop, je le fous ici. À quel moment il va se dire que c'est bizarre, non? C'est ça, c'est pas bizarre? Bon, il m'a regardé une seconde. Hop, ah, il me donne la pastèque. Ah oui, merci la pastèque. Ah, t'es super sympa, mon pote. Hop, je balance sur sa gueule, dans sa grande ganache. Ah, une petite poupée, regardez. Je vais mettre la petite poupée ici sur la table. T'as vu la petite poupée que j'ai mis? Regarde, je lui parle sur Discord. T'es qui, toi? Ben, je suis votre pote. Tu peux enlever tes trucs ou pas, s'il te plaît? Tu t'incrustes dans ma maison, là, t'es un ouf. Je suis avec vous depuis tout à l'heure, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ok. Tu peux enlever tous tes trucs, s'il te plaît? Tu rigoles en bas. Non, mais je vais m'en aller alors. Non, mais je savais pas que j'avais pas le droit d'être là. Mais enlève ta pastèque et tout, là, récupère tout. Mais c'est à ton pote, la pastèque. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est pas moi, je sais pas me remettre, donc non, c'est pas moi. Je sais même pas remettre. Et toi qui as mis la pastèque ou pas? La confusion, frérot. Among Us. Bon, vas-y, dégage. Bon, on est pas sur Among Us, y'a pas de suspect ici. Hein. Ah, je peux pas partir, il m'a bloqué le passage. Arrête de me taper sinon j'appelle Tony. Oh Tony. Vas-y là, sors, on te casse la gueule. Pas tapé. Je t'ai pas tapé. Ouais. Allez, sors là. Non mais je vais sortir. Non mais je sors, je sors. De toute façon, ils ont pas d'arbre. Enlève ta merde en haut là. Non mais je vais retirer, je vais retirer. Non mais attends. Je me casse ou je retire? Je me casse ou je retire? Non, retire. Ok, je retire, ok, je retire. Je vais foutre encore plus de merde. Je vais mettre une statue de moi. Mais arrête de me casser la gueule. Dépêche-toi. Ah ouais. Oh putain, je vais mettre des dingueries là. Oh, qu'est-ce que je pourrais mettre? M'arrêter. Oh, mais vous êtes en train de me martyriser. Oh, ils sont en train de m'éclater la gueule. Nique-le. Attends, je mets plein de trucs random. Regardez tous les trucs random que je mets. Putain, sale fils de merde. Fils de merde. J'ai mis 30 objets. Et il est en train de faire un ticket. Regardez bien le ticket. Regardez bien le ticket qu'il est en train de faire là. Eh, franchement, c'est marrant comme concept de vidéo. De s'incruster chez les gens. Super drôle. Ah, il y a un mec qui est là, regardez. Ah merde, il part de chez lui. Ok, bah dès qu'il rentre chez lui, regardez la Bentley décapotable qu'il a dans un coup. Magnifique, magnifique. Okay, là, il y a un mec, je vais me mettre dans sa voiture. Attendez, il faut juste que je mette un outfit foncé. Voilà, comme ça. Parce que sinon, je suis un peu trop cramé en blanc. Mais pourquoi le mec est parti dans les bois tout seul? Parce que là, faut savoir qu'avant que j'arrive, les gars, il s'est garé. Il est sorti de sa bagnole et est parti dans les bois. Il est là. Il est remonté dans sa voiture. Ok. Là, je suis avec un gars tranquille. Hein. Est-ce qu'il va me cramer ou pas? Parce que là, il est en train de regarder à gauche, là, je vois avec sa tête. En fait, s'il fait ça, il peut me voir, tu vois. Il roule bizarrement. Hein. Mon frère, on va où après? Oui, après les directs. Je sais pas, j'ai aucune idée, je visite la ville là. Ok. T'as pas eu qu'en face à l'illégal? J'aimerais bien faire l'illégal, mais j'ai jamais fait. Je voulais en faire avec un pote. Ok, et le pote il arrive. Il arrive. Regardez, troller, elle. Chaque fois. On dépose moi au concessionnaire en attendant. J'ai dépose moi au concessionnaire en attendant. Super sympa, vous avez vu comment il est sympa? Super gentil avec son F-150. C'est pas où? C'est à gauche. Il connaît vraiment pas la ville, le gars. Voilà, il est là au feu à gauche. Il connaît pas du tout, les gars, il est du père. Pour lui, la map elle est aussi grande que la nouvelle map de GTA.
pas 6. Incroyable. Attends, je vais donner un billet, les viewers. Mais Katin, je vais te donner un billet parce que tu m'as ramené. Regardez, 1 000 000, je lui donne. T'as un petit billet. Il est vachement sympa, c'est l'un que le plus sympa. Il m'a pas dit que j'étais un fils de chien. Ah oui, fils de, je sais plus quoi il avait dit. Non, c'est le fils de merde. Moi, je te fais la bise. Salut, merci. Merci. Tout va bien. T'as capté. Ouais, t'es arrivé en tête privée, c'est ça? Dans la vie. Bah, rien, je fais rien. Je fais des choses pas très légales. Ah, pas mal là, tu mais... vois. Mais, je le connais, le mec à gauche, c'est un connard. Il m'a insulté. Hein. Lequel? Celui à l'intérieur ou celui à l'extérieur? Lui, tu connais lui? C'est ton pote? C'est ton pote. Ouais, sûrement. J'ai dû l'oublier dans le coffre. Vous êtes énervé là. Parce que tu pourrais enlever les trucs là. Voilà, t'as capté. Tu veux que je rentre pour enlever ou pas? Bah non, normalement t'as juste à forcer sur le muscle. Je sais pas comment faire. Hein. Je me sens pas capable de savoir. Mais qu'est-ce que t'as fait encore comme bêtise? Bah rien du tout. Hein. J'étais avec eux. On s'est rencontrés au centre-ville. Et d'un coup, il me tabasse avec son pote. Ah ouais, après, hey, vous les avez pas tués. Vous vous êtes calmé. Oh, moi, j'ai rien fait. Vous avez de la chance. J'ai rien fait du tout. Hein. Oui, mais vous avez pas tué ceux qui vous ont tabassé. Oh putain. Non, parce que moi, je suis devenu gentil. Hein. Alors là, c'est bientôt Noël. Oh putain. Oui, il est énervé lui au-dessus. Alors là, ça me fait bizarre. Vous ratez pas une occasion pour tuer tout le monde, mais là, oh putain. Ouais, c'est pas que je vous aime pas, mais allez. Vas-y, laisse-moi essayer à ton 6x6. Je sais que t'en as dans ta poche arrière gauche, il me semble. Non mais j'ai jamais roulé, je fais juste un tour du quartier. Mensonge. J'ai juste un tour du quartier, je suis à Rome. Sachant que je vais perdre mon véhicule. Je vais perdre mon véhicule. Oh, ça gosse mal. On lâche pas à 250, aïe, en ligne. Merde. Droite. Il est magnifique le 6x6, regardez, viewer. Tout nouveau véhicule boutique, ça. Je vais le jeter dans l'eau. Ah bah bien sûr. Pourquoi je crois que ça va partir en course poursuite? Ah non, t'en fais pas. Il a à s'en faire pour autre chose avec une course poursuite. Bon, je reconnais, ça c'est un kidnapping. Non. Je suis un bâtard. Bon, là, faut courir parce que je pense que je vais me faire tabasser. Oh non, je vais me faire des ennemis. Oh non, laisse-moi à l'aide. Oh putain, j'espère qu'il y a des flics parce que les flics sont juste là. À l'aide, à l'aide. Oh putain, je pense qu'il va l'avoir mauvaise. Oh, mais qui est dans l'eau? À l'aide, monsieur les policiers, pitié. J'ai en train de me faire braquer. J'ai un mégaphone. À l'aide, monsieur les policiers. À l'aide, il veut me tabasser. Rembourser le 6x6, salopard. Il veut me tabasser, le mec, à l'aide. Heureusement que j'ai pris le mégaphone, vous m'auriez jamais entendu sinon. C'est quoi là? Cette personne, elle veut me tabasser, alors que j'ai rien fait. Ça battait mon 6x6. Tu agresses qui? Lui, il veut m'agresser, lui. Le mec avec son chapeau rigolo. Lui, il a noyé mon 6x6. Mais comment on peut noyer un 6x6? Vous vous abîmez, j'ai l'impression que vos versions sont pas très très fermes. Noyé, mais allez voir sur la plage, il y a légèrement un 6x6. Noyé ou. Ou abîmé, j'arrive plus trop à savoir là. Noyé, le moteur est noyé. Ah, noyé, ok. Le moteur. C'est un arbre ça, le noyé. Non, ça c'est pas un arbre, j'ai l'impression. J'ai pas trop l'impression que ce soit un arbre, non. Ah ouais. Ce qui fait si des noix, c'est quoi? Vous pouvez envoyer une deux de vos unités, il y a un 6x6 noyé au niveau un de la plage. C'est pas noyé. Benoît Cadet, c'est un quoi vérifier. Un noisetier, c'est un arbre où il y a les noisettes quoi. Ouais, mais pour les noix, c'est pas le même arbre. Bah, non, c'est effectivement pas le même arbre, mais restez avec moi. Ou sinon, j'ai toutes les preuves, j'ai une bodycam sur moi. J'ai des bodycams. Mais même si le véhicule est noyé, on n'a pas de preuve. Que bah bien sûr, moi j'ai jamais roulé, je marchais tranquille. Déjà s'il y a un véhicule noyé. Mais ça peut pas exister, c'est soit un véhicule, soit un arbre. C'est soit un véhicule, soit un arbre. Ça peut pas être un véhicule noyé, n'importe quoi. Un véhicule platane, par exemple, ça existe pas. Bah si, attention, ça monsieur, vous noyez le moteur, vous prenez le moteur, vous le noyez. C'était possible. Un peu comme une personne, si je vous prends et que vous noie, vous êtes pas un arbre derrière. Moi, je vais vous raconter ma version des faits. Je marchais le long du poste de police et il y a un mec avec un 6x6 qui roule comme un fou, comme un forcené. Et il a fait un tête-à-queue, il est tombé sur la plage. Et après, il m'a direct accusé parce que j'avais traversé hors passage piéton. Alors ça, je l'avoue, j'ai peut-être traversé hors passage piéton. Mais c'est de sa faute, il me dit oh, c'est à cause de toi que j'ai dû t'éviter et tout. Et non, là, c'est la carte alors, S6 fois 6 tout y a seul. Il a démuré pour éviter que je fasse un tout droit. Il a fait un sacré tout droit, il a fait un tonneau, il est passé au-dessus. Je raconte pas, 6 fois 6, c'est lourd. Donc, il y aura des traces sur la vous route. Vous les alors. Images de votre bodycam. Ah, bien évidemment. Vous appelez ça une bodycam. Il faut juste les extraire. Extrayer. Ça va être un bodycam noyé, ça aussi. Hein. Ouais, peut-être qu'il l'avait sur lui, peut-être qu'il a pensé à la récupérer la carte team. Comment on fait s'ils ont récupéré la carte team? Alors, il y a bien 6x6 ou pas? Mais c'est bon, là donc, si je veux, c'est pas si c'est bien 6x6. Mais donc, avez-vous. Je vais pas te retourner contre moi. Pour que j'aille voir. Bien évidemment, pour que j'ai tout. La vidéo, allez-y, je vous laisse me la donner. Hein. Moi, je me sens pas en sécurité, normalement, c'est moi qui crie à l'agression. Hein. Non, vous restez ici. Ah, tenez. Non, mais je reste là, mais je me sens agressé. Gardez le monsieur. Je vais prendre mon couteau, je vais prendre mon canif, regardez. J'ai des canifs ici. Non, mais il m'a agressé. Non, mais on est là. Je me recule, t'inquiétez pas, si vous voulez, je me mets dans un coin. Ouais, bah je préfère. Ok, il a sorti son gun. Il va nous fusiller, le flic. Je suis pas dans son coin.
Non, vous inquiétez pas. Vous avez un pistolet, messieurs. Je le rends dans l'hoster. Regardez, il se rapproche de moi, il a plus vraiment peur, j'ai l'impression. Regardez le policier. Bon, bah, du coup, j'ai le verdict. C'est quoi le verdict? Vous êtes sûr que vous en avez pas un peu pour quelque chose? Bon, non, messieurs, moi je roulais. Enfin, non, je roulais pas, je traversais le. Je l'ai crevé. J'ai acheté derrière moi, regardez. T'as vraiment que j'ai toujours mon couteau avec moi, hein, ça je vous le dis. Hein. Ouais, ça devrait me canarder. Regardez, je vais refaire ma technique au flic. 3, 2, 1. Oh! Oulala! Attention, attention, on va prendre l'ascenseur. Oui, il va bien me faire. Tu spé down, non, genre. Il m'a visé le foie. Encore, et encore un roleplay très très joli. Et des mecs qui passent leur permis, regardez. Ça c'est beau ça. Attends, c'est le mec qui roule le taxi qui passe son permis. Parce que là, ça m'inquiète là, il va. On laisse n'importe qui. Oh, regardez, il y a un banquier. Je vais faire part. Alors, t'as trouvé une solution? Pourquoi? Ça n'avait pas fait peur. Pour ton A45, apparemment, il y a les bougies d'un jumelage. Tu me dis, elles étaient foirées. Hein. C'est les bougies ou les bobines? Ou c'est peut-être la tête d'allumage là? T'as regardé la bobine d'admission? C'est souvent dans la chambre de combustion, c'est chemisé. Qu'est-ce que t'as fait? Elle est magnifique la 45, regardez. Et qu'est-ce qu'elle a ma voiture là? Bah alors, rien ta bagnole, c'est toi, tu m'as raconté des histoires là. T'es rien demandé. Moi j'aimerais poser un printer. Maintenant qu'on est là. Hein. Je voudrais déposer deux printers et mon animal de compagnie. Parce que j'ai besoin de partir en vacances, donc il faudrait qu'il soit gardé. C'est comme un chien. Pas une animalerie. C'est comme un chien, oui. C'est entre le chien et le chat, ça saute aussi. Non. C'est ce qu'il va avoir. Pas animalerie. Bon, on va dans vos coffres pour que je puisse déposer tout ça, messieurs. J'ai pas de garde. Bon, oh, bah, on se fait confiance, hein. Évidemment. Ouais, parce que s'il y a plus de confiance, il y a plus de vie. Là, ça sera le mien, celui-là. Ok, donc je vais poser mes deux printers, regardez. Hop, voilà. Donc, vous avez vu sur mon serveur, j'ai un nouveau menu F4 où vous prenez vos métiers ici, les viewers. Sunset GL serveur si vous cherchez les viewers. Super serveur, regardez tous les métiers. Ok, vous me les posez au fond. Est-ce que t'as envie que j'arrête de tourner ma vidéo? Il veut que j'arrête de tourner ma vidéo, il a dit. Il a dit, il veut manger ses croquettes. Vous avez dit quoi, monsieur? Parce que j'étais en train de parler avec mon chien, justement. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ah oui, tenez. Maximum K présent. Maximum 4 citoyens. Vous me les placez pas au fond, monsieur? Parce que là, vous allez pas me laisser me poser ça comme ça. Monsieur, vous êtes clochard, monsieur. Bah, allez, je vous pose après mon, hop, mon chien que j'avais dans la poche. Voilà. Oula, c'est quoi ce bruit là? C'est mon chien, vous en faites pas. Oula, il va rester aussi. Reprenez-le. Non, mais je reviens dans une semaine, faut que je parte à Montréal. Ah, monsieur, venez ici. J'ai un vol Air France. Bon, j'ai fermé la porte par sécurité parce que j'aimerais pas que mon chien je revienne et qu'il soit plus là. Hein. Allez, gros bisous à vous. Je vais rester en spec, regardez. Et la laisse, elle est où la cage? Elle est où la laisse? J'ai fermé la porte, il peut pas sortir en courant. Non, pas mon chien. Il va pas taser mon chien quand même. Mais il est gentil comme tout. Regardez comment il ronronne. Il essaye d'ouvrir la porte à distance. Il est énervé. Il met des printers sur lui ou quoi? Ah, il essaye de taser. Là, il tase. Là. On le voit pas parce que quand t'es en spec, tu vois pas les balles et tout partir. Mais il essaye de taser. Oh non, il va pas taper mon chien quand même. Ah non, s'il tue mon chien, je reviens. Il est en train de le tabasser. C'est vraiment un monstre. Tabasser un chien, un gentil toutou. Il est en train d'appeler les flics ou quoi avec son téléphone. Et il fait tout ce qui lui est possible, imaginable. Taser, téléphone. Il lance les printers sur mon petit chien d'amour. Alors qu'au final, un chien, c'est super mimi, un chien. Moi, j'adore les chiens. Regardez comment ils ronronnent. Oh, c'est mimi. Oh, mon petit Marley. Bonjour, monsieur. Il est en train de vraiment appeler les flics, regardez. Alors, j'ai un petit problème à la banque. Le client, il m'a laissé son chien, sauf que son chien, il m'attaque. Trop marrant, je te jure. Oui, j'ai un chien dans la banque, il essaye de me manger. Et je suis coincé, oui. Je suis coincé dans le coffre. Bah, monsieur, je suis banquier. J'étais en train de déposer de l'argent. Elle est belle, son histoire. Et il y a un monsieur, il a laissé son chien. Elle est belle. Oui, mais il y a un chien qui m'attaque. Du coup, je suis sur la table. T'as vu comment ils sont méchants avec toi, Marley? Comment ils parlent mal? Ils ont vraiment, ils parlent mal. Ils parlent vraiment mal. Oh non, ils retapent mon chien. Piège. Oh, il a tué mon chien. Oui, bon. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire par rapport à mes printers, c'est quoi le pourcentage? Oui. c'est 10%, monsieur. Ok. Attendez, bah, faut que je vais faire un dernier bisou à mon chien, non? Ah, bah, il fait dodo, laissez-le. Bah, justement, un petit bisou. Il dort. Non, mais il dort. Ouvrez, monsieur, pourquoi vous bloquez la porte avec votre pied, là? Ouais, monsieur, il fait dodo, Mais ouvrez, monsieur, je voudrais faire un bisou à mon chien. Il fait dodo, monsieur, regardez comment il dort. La porte est coincée, monsieur, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Ah, voilà. Attention, il va quand même pas s'enfuir, hein. Je vais faire la porte. Bah, alors, Marley. Bah, elle fait la gueule, Marley. Marley? Eh ben, il fait dodo, il dort. Marley? Il dort profondément, monsieur. Mais il a plus de peau, mon chien! Attends, j'ai sorti un tronçon. Mais si, il respire encore, regardez. Mais si, vous en faites arrêter, monsieur. Faites pas de bêtises. Ils ont mon chien. Il y a la police qui arrive. Vous avez quoi, mon chien? Vous avez fait quoi, mon chien? Arrêtez, je regarde.
Salaud, mon chien, mon chien. Salopo. Morley. Morley. Bonjour. Ah. Non, bonjour, je suis le banquier. Au final, là, j'ai. Bonjour, on a reçu un appel. Ah bah, au final, là, le problème est réglé. Le chien, je l'ai euthanasié. On va venir faire un petit tour pour voir si le problème est vraiment réglé. Ben. Non, mais vous pouvez rentrer. Moi, je vais prendre ma pause. J'ai reçu aussi un appel parce que vous étiez bloqué. Vous êtes arrivé à. Ah bah, j'ai retrouvé mes clés. Ils étaient dans les fesses du chien, là, ils avaient mangé. J'ai attendu une semaine qu'ils fassent caca et après j'ai. Je vous laisse ouvrir la porte. J'ai fouillé dans la merde. Bah, j'ai pas les clés. J'ai en pleine construction, j'ai pas encore fait les clés. Vous devrez avoir des clés, non? Vous pensez pas, non? Attendez, je vais juste fumer une clope dehors. Non, vous restez ici. Non, vous restez ici. Revenez là, s'il vous plaît. Deux officiers de police, besoin de mec. Suspect down. Regardez le flic, comment il est bordé. Oh. Toujours les petites menottes, on sait jamais. Après, 10 balles dans le dos. Oh là là, c'est n'importe quoi. Un suicide de 10 balles dans le dos, tout est possible. Bon les gars, ça va être une fin de vidéo. Mon petit-fils est très attristé d'être mort dans le jeu. Donc les gars, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à la liker, vous abonner. Rejoignez nos Discord, tous les liens sont en description les gars. Gros bisous à vous. Ciao les potes.